Salut les amis, j'espère que vous êtes au top. Bienvenue sur la chaîne YouTube de DataWand. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment contrôler votre télé avec votre propre téléphone portable. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui, j'ai cassé ma télécommande et du coup, il marche plus. Et je suis obligé d'avoir une télécommande à la maison alors que celle-là coûte 30 euros. C'est trop cher pour moi. Et je suis obligé de passer par mon téléphone portable. Donc voilà, je vais vous montrer la technique de A à Z. Alors, comment avoir une télécommande sur votre propre téléphone? Comme ça, vous pourriez contrôler votre télé. C'est très simple. Vous n'aurez pas besoin d'une connexion Internet. Vous aurez juste besoin d'Internet pour télécharger l'application. C'est tout, pas plus. Après, même si l'écran Zama de la télé est éteint, vous pourriez l'allumer avec votre téléphone portable. Franchement, c'est très simple. Je vais vous montrer la technique. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un max de likes pour cette vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Dans un premier temps, je vais éteindre la télé. Donc voilà, je vais enlever la prise directement. Regardez, là j'ai enlevé la prise, ok? Là c'est la prise de la télé. Je vous jure que c'est la prise de la télé. Alors ce que je vais faire, je vais la mettre ici là. Donc j'ai relié le courant à la télé. Et du coup là, il me reste que à utiliser l'application d'allumer la télé et de la contrôler tous les paramètres de la télé. On va voir tout ça en détail, vous inquiétez pas. Donc on aura juste besoin d'une application. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez la télécharger. Donc, voilà, vous aurez le lien dans la description. Dès que vous êtes accès à l'application, vous cliquez sur ajouter une télécommande. Ensuite, vous choisissez le type de l'article que vous voulez contrôler. Moi, c'est une télé. J'ai pas de dégoudeur. Ensuite, là, vous aurez pas mal de listes, enfin des marques de la télé. Malheureusement, moi, je trouve pas Edenwood. Donc, voilà, j'ai une télé Edenwood. Je la trouve pas parmi cette liste que j'ai ici. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une marque qui lui ressemble un peu. Donc, la marque qui lui ressemble un peu, c'est. Je vais vous la montrer tout de suite. Je vais revenir sur cette page. C'est Techwood. Donc, voilà, ça lui ressemble un peu dans le nom de la marque et tout. Et franchement, j'ai découvert que même si Zama, vous choisissez une autre marque LG à la place de celle-là, ça va fonctionner. Mais le problème, c'est que par exemple, au lieu d'augmenter le son, vous allez changer une chaîne TV ou je sais pas. Donc voilà, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment réglé. Du coup, il faut choisir bien la marque de votre télé ou même une marque qui ressemble un peu à votre télé que vous avez à la maison. Donc là, la télé, il est éteint. Ok, ce que je vais faire, je vais choisir. La marque de ma télé, donc voilà, vu qu'il n'est pas là, j'ai choisi Techwood, c'est une marque qui lui ressemble un peu. Ensuite, là, il me demande est-ce que la télé il est éteinte ou est allumée. Donc voilà, vu que la télé il est éteinte, je vais mettre arrêt. Ensuite, il m'a demandé tout simplement de cliquer sur ce bouton et de voir si la télé fonctionne ou pas. Du coup, je vais cliquer sur ce bouton. Pourquoi j'incline mon téléphone? Parce qu'en fait, ce téléphone est à l'infrarouge et d'ailleurs, c'est votre téléphone. N'a pas cette option, malheureusement, vous ne pourrez pas l'utiliser. Du coup, ce que je vais faire, je vais cliquer ici. Regardez, là, la télé va s'allumer. Je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Il y a une petite lumière qui s'est affichée. Donc, la télé, elle est allumée. On va attendre un peu parce que ça prend un peu de temps pour l'allumage. Et après, on verra ce que ça donne. Donc, là, j'ai cliqué sur ce bouton. Ils m'ont demandé est-ce que la télé est allumée. Je vais dire oui. Ensuite, là, il me demande est-ce que c'est pour le salon ou est-ce que c'est pour une chambre. Je vais mettre le salon parce que là, je suis dans la salle à manger. Ensuite, ce que je vais faire, je vais cliquer pardon, sur associer. Et bien là, je suis axé à la télécommande. Et je peux contrôler ma télé avec mon propre téléphone. Du coup, pour aller sur, pour naviguer un peu sur la télé, je suis obligé d'incliner mon téléphone parce que l'option infrarouge, peut-être, c'est vers là. Du coup, je peux tout simplement contrôler ma télé avec mon téléphone et je peux aller par exemple sur YouTube et tout, je peux faire ce que je veux. Et après, si vous voulez le clavier, vous pourriez le choisir à partir d'ici. Là où il y a un petit i, vous aurez le petit clavier pour taper tout simplement le numéro de votre chaîne préférée. Du coup, moi, ce que je vais faire tout simplement, par exemple, je vais aller sur... attendez, parce que là, je suis sur YouTube. Je vais aller sur YouTube, ok? Là, ça fonctionne nickel. Ça marche franchement. Ça m'arrange parce que j'ai pas envie de perdre 30 euros pour rien pour une télécommande. Et là, toute ma famille pourra utiliser leur propre téléphone tout simplement pour contrôler cette fameuse TV. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais quitter par exemple. Vous aurez pas mal d'options en vrai. Je vous laisse découvrir tout ça là. Je vais quitter
Donc là, quitter, il sert à quoi tout simplement? Par exemple, si je choisis cette vidéo, ces dessins animés, du coup, ce que je vais faire, c'est que si je clique sur quitter, attendez, quitter, et là, bah, je quitte la vidéo et je pourrais tout simplement naviguer sur YouTube, regarder. Ah oui, je suis obligé de mettre le téléphone comme ça, sinon ça va pas marcher. Même si t'es loin, donc voilà, moi franchement, je l'utilise d'ici 5 mètres, 10 mètres, ça fonctionne. Juste, il faut incliner le téléphone vers la petite truc là qui est ici, là. Il y a une petite lumière qui s'affiche ici, des fois. Et du coup, je pourrais contrôler ma télé normale. Écoutez, ce que je vais faire, on va refaire un autre test, c'est que je vais enlever la prise d'un coup, et je vais essayer de la rallumer. Et je vais éteindre la connexion internet. Ça veut dire que je vais mettre mon téléphone en mode avion. Là, je suis pas connecté, ok? J'enlève la prise pour une deuxième fois. La télé, elle est éteinte. Je vais la rallumer. Et là, je reviens sur l'application. Je choisis la marque de ma télé. Et il suffit juste de cliquer sur le bouton Power. Et ben, ça fonctionne. Ça marche. Et il suffit juste d'attendre un peu. Franchement, la famille, je vous remercie énormément. J'attends de votre part que vous me dites est-ce que je vous fasse une partie 2 pour la vidéo que j'avais postée il y a quelques jours. C'était les meilleurs sites repérés cette année. J'ai fait la partie 1. Donc voilà, si vous voulez la partie 2, pourquoi pas. Et donc voilà, je suis arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois sur la chaîne YouTube de DataWorm. Ciao, ciao.